find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Wikiblog. Hey, je vous reprends enfin. Alors oui, je sais, j'ai eu d'ailleurs quelques messages ce week-end. Je vous avais dit que normalement vous auriez quand même un vlog là pendant les vacances, pendant nos vacances scolaires, la zone B là. Mais comment vous dire que bah, pour celles, enfin il y en a beaucoup qui ont deviné, hein, pendant mes vacances j'ai été malade. Donc rien de grave, hein, un rhume, bon, un bon rhume quand même, le rhume des familles, vous savez, le truc où vous avez le nez en patate qui coule, les quintes de toux qui vont avec, bref, le truc où pendant 3-4 jours j'étais mal. Enfin j'étais mal, j'étais prise, donc pas terrible. Du coup j'ai pas pu faire tout ce que j'avais envie, ma petite routine, tout, enfin bref, j'ai pas, ça n'a pas été non plus des super vacances, mais j'ai pu au moins me reposer, c'est au moins l'avantage, voilà. J'ai pu me reposer et j'ai quand même fait des choses que voilà, j'avais prévues, donc on va dire que sur ma liste de choses de prévues, les trois quarts ont été faits, donc ça c'est plutôt cool. Je vous reprends en voiture parce que de toute façon là je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé, etc. Pardon. De ce qui s'est passé, alors que je vous le fasse voilà, à la maison, au bureau, ou que je le fasse dans la voiture, c'est pareil. Alors pendant les vacances et tout ça, il s'est passé quoi? Il s'est passé que donc du coup on a tourné pas mal de vidéos, d'ailleurs vous en avez vu quand même quelques-unes, malgré ma voix d'un peu de canard, mais voilà, j'ai pu tourner pratiquement tout ce que je voulais, donc ça c'est cool. Je crois qu'il y en a deux ou trois vidéos que j'ai, une que j'ai pas du tout tournée et deux qu'il faut que je finalise. Donc je m'en sors bien, donc je suis contente. Avec Evan on a profité fin de semaine pour aller, donc c'était il y a 15 jours hein, du coup, pour aller se promener. Ils ont fait une super belle voie verte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vous savez, piste cyclable, piétonne, etc. Juste chez nous, dans la ville où on habite. Et du coup, on n'avait encore jamais été et on a fait un petit bout de ce chemin. On ne l'a pas fait complète parce que je ne savais pas trop où elle menait. Mais du coup, on a quand même fait 7 km. Hein, donc, on a fait une belle balade. Voilà, une belle balade. Et on a mis une heure, presque une heure et demie, je crois. Enfin, on s'est bien promené. Et je vous montrerai peut-être quelques images ici, là, pour vous montrer ce que j'ai filmé. La colline, là-haut. Ah oui, la tour. C'est pas une tour de télécom, je sais pas quoi. Moi je regarde tout le temps avec avec mes jumelles. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc on a trouvé un chemin, le chemin qu'on prenait qui était là. Et puis en fait là on peut passer. Bon, ils ont pas encore fait, mais apparemment il y a une machine, donc je pense qu'ils vont aussi goudronner toute cette partie-là. C'est entouré des champs, nous on habite comme on est en lisière de. En lisière de lotissement, du coup, nous on a que. On a vu sur les champs. Et donc là, nous on habite derrière. Derrière là-bas. Là, c'est les premières maisons. Et nous on habite de l'autre côté, en fait. Ah ouais, tranquille. Ah, le rêve. Surtout, ça fait que de monter, quoi. Là, tu dépenses pas un seul effort. Bon, tu profites pas vraiment de la marche, quoi. Oui. Tu vas te promener, mon trottinette électrique, c'est quand même pour. Ouais, cool. Prendre l'air, quoi. Ouais. Juste pour faire genre t'es sorti. Bah non, c'est que là, t'ouvres la fenêtre de ta chambre, hein, et puis tu... Voilà, je suis sortie. Je suis sortie, j'ai pris l'air. J'ai sorti ma tête. J'ai pris l'air. C'est ça la technique des topiqueurs. Ils prennent l'air en sortant leur tête du soleil. Bon bah voilà. Bon, d'ici 10 minutes on est à la maison. 10 minutes. Je pense. Comment? Je pense. Parce que je pense qu'on arrive là où je pense. Hein. Je sais pas.
Je connais pas trop le côté là. Donc on verra bien. Et puis aussi du coup, je vous avais dit, je voulais faire une petite vidéo routine, tout ça, sauf que mon Dieu, la catastrophe. Je pense que j'avais le cerveau complètement liquéfié. Attention, nid de poule sur votre trajet. Oh, c'est pas nid de poule, c'est travaux. Il y a un nid de poule aussi. Bon bref. Et parce que du coup, entre les choses que je croyais avoir filmées et que j'ai pas filmées, les choses que j'ai filmées mais que j'ai mal filmées, on voit rien. Bref, une catastrophe, j'ai jamais aussi mal filmé. Du coup, ça m'a pris, j'ai quasiment tout supprimé. Voilà. Et je me suis dit que j'allais vous faire un récap et que les petites vidéos que j'ai gardées, j'allais vous les incruster là, comme ça, ça vous fera comme si vous avez été là. Enfin voilà, il n'y a rien eu d'extraordinaire. Attention, travaux sur la route, sur votre trajet. Voilà, je l'avais dit, hein. Et je suis voyante, moi. Quoi d'autre? Donc voilà, on s'est promené tout ça. Et puis du coup, on a fait aussi... Alors j'ai fait un petit peu de... J'ai fait de la décoration dans la cuisine. Je pense que vous allez être très contente. Donc je vais vous montrer, juste après quand je rentre, je vous montre le résultat final. Mais vous êtes... Je pense peut-être plus que je le pense, enfin en train de me dire enfin t'as fait quelque chose, mais ça a été hyper compliqué en fait parce que je ne trouvais plus le modèle. Voilà, je l'avais acheté sur vente privée et du coup impossible de retrouver le même modèle, et j'ai fini par trouver sur un site le même modèle. Donc j'en ai profité, j'ai recommandé et j'ai fini cette partie là enfin. I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Et puis quoi d'autre? Oui, j'ai reçu un colis aussi également, donc je vous mettrai ici. Voilà, j'ai passé une commande sous chaudron privé. Je vais vous montrer la petite commande. Alors, j'ai passé commande sur le site de chaudron. Oh la vache, ils sont grosses. Oh, ouais, ils sont immenses, j'avais pas fait gaffe. Il y avait une vente privée à Avaimé. Vous savez, en ce moment, je suis à fond. J'avais déjà commandé pendant les soldes sur le site de Avaimé. Et là, il y avait une vente privée. J'ai voulu acheter 4 bougies. Alors, il y en a une, je crois, qui était plus dispo. Du coup, ils m'ont remboursé. Dommage, parce qu'elle avait l'air de sentir bon. Et j'ai pris citron tarte meringuée, je crois. Ou citron... Ouais, tarte au citron. Et j'avais pas vu que... Alors, elles étaient un peu chères. Hein. Et encore, en vente privée, ça allait. Mais elles sont énormes, en fait. Elles sont énormes. Waouh, elles sont gigantesques. Il y a 4 mèches à l'intérieur. Oh, ça sent le citron. Waouh, incroyable. Incroyable. En tout cas, elle est immense. J'en ai pris une autre, la même taille. C'est la Barcelona. Alors, je ne sais plus, je vous avoue, la senteur, mais je crois que c'était noisette ou je ne sais plus exactement. Elle est ronde, celle-ci. Je vous avoue que les carrés, c'est celle que je préfère, parce que même les petites que j'avais dans le calendrier, elles sentaient super super bon. Elle a 3 mèches. Oh, elles sont bon. Ah oui, elles sont bonnes, celles-ci également. D'ailleurs, je vais faire rouler bougie. Les petites encore que j'ai encore. Et une plus petite que j'ai prise, c'est Chéri Kiss. Voilà, bisous, bisous cerise. Non, c'est pas marqué les senteurs. C'est une carrée également. Ah, ok. Waouh, sent super super bon également celle-ci. Voilà, avec le petit. Et celles-ci, elles n'ont pas de problème, elles se décollent pas comme les autres que j'avais achetées. Elles sont super bonnes.
Et regardez ces petits pots en verre là, ils sont vraiment trop trop beaux. Je pense que je les garderai après. Je les garderai pour. Celui-ci, il est suffisamment grand pour mettre un petit pot de. Une petite plante à l'intérieur. Franchement, pour mettre des petites plantes grasses à l'intérieur, c'est super joli. Même celui-ci, vous mettez une petite plante grasse à l'intérieur, ça fait un très joli pot. Sans le couvercle, bien sûr, parce que la pauvre plante. Mais ouais. Donc ça, je les garderai après. Voilà, c'était ma petite commande que j'ai craqué là récemment. Et puis après, voilà, je vous dis, rien d'extraordinaire. On en a profité. J'ai regardé aussi une série pendant les vacances. Je vous en parle justement là, à ce moment-là. Là, maintenant, je me pose. Je vais me regarder sur Netflix. La série, j'ai commencé. Je suis à l'épisode 7. Début de l'épisode 7. C'est ça, il y en a 12 des épisodes de Happiness. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste. Et je croyais que c'était un truc un peu cucul après les deux. En fait, pas du tout. C'était sur des zombies, mais sur des cas de maladie, etc. Mais c'est une pépite. C'est une pépite. L'épisode 6, là, je l'ai fini. Je fais, ah, du coup, j'avais démarré l'épisode 7 pour avoir la suite parce que c'était trop, ça c'était fini. Et du coup voilà, j'avais regardé les 7 premières minutes. Là je redémarre aujourd'hui l'épisode 7 parce qu'hier du coup j'avais fini la 6 hier soir. Et comment ça s'est terminé, je me dis je peux pas arrêter comme ça. Du coup j'avais entamé l'épisode 7 de voir un peu la suite. Puis du coup là ça redescend un peu, mais ça va remonter parce que là c'est les catastrophes là. Donc bref, j'ai hâte de voir la suite. En plus, il y a un de mes acteurs préférés, je l'aime trop, il est trop. Je trouve qu'il joue trop bien et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Par contre, j'ai trop peur que ça soit une fin. Je pense que. Je le sens. Je le sens que c'est pas. Que ça va mal se finir. Donc, je veux pas savoir, mais j'ai peur que ça finisse mal et. Il y a peu de chances que ça se finisse bien. Enfin, je vois pas pourquoi ça se finirait bien, quoi. J'ai horreur de ça en plus. J'ai horreur de ça. Je vous montre 2 secondes. Voilà, Happiness, voilà, si ça fait le zoom, voilà, Happiness avec cet acteur-là, voilà, c'est petit chouchou, il fait partie des acteurs masculins que j'aime bien, donc voilà, et elle aussi, elle joue extrêmement bien, donc voilà, Happiness, je vous conseille. Si vous aimez bien les trucs un petit peu, alors un peu gore, parce qu'il n'y a pas... Forcément, c'est une attaque de virus, etc., avec des buveurs de sang, enfin, ça fait un peu zombie, mais assez soft, quand même, il n'y a pas non plus de... ça gicle pas dans tous les sens, ni rien, il y a pas... on voit pas des trucs, on voit un peu, mais franchement, c'est assez soft. Mais l'histoire est assez prenante, le déroulement, etc., enfin, du coup... en plus, c'est sorti Covid pour eux parce que je crois que ça date de 2000. C'est une série qui date, je sais pas, mais ils en parlent. En fait, dans la série, ils n'allaient pas d'en parler. Et donc, du coup, on voit que c'est un peu tiré de cette histoire-là. C'est assez particulier. Bref, voilà. Donc, si ça vous intéresse, Happiness, c'était sur Netflix, mais après, vous peut-être le trouver ailleurs. Donc voilà, les petits rushs que je vous ai gardés. Voilà, c'était un petit peu le récap, le maxi récap des vacances. La semaine dernière, c'était hyper chargé également parce que j'ai pas eu le temps de preuve, parce que j'ai pas eu le temps de faire. J'ai fait que 2 séances de sport la semaine dernière. Mais c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué. J'ai eu beaucoup. J'avais beaucoup de boulot. Voilà, rattrapé une semaine de congé. Donc forcément, ça m'a demandé. M'a fallu 3-4 jours pour m'en remettre. Et ouais, 3 jours pour m'en remettre, pour bosser à mort. Et donc j'ai quitté tard les 3 jours-là. Et puis jeudi, je vous l'annonce. Jeudi dernier. Sur votre trajet. Jeudi dernier, je vous l'annonce, je suis allée en agence de voyage pour réserver nos vacances d'été. Voilà. Donc ça y est, c'est fait. Je vous en dirai plus bientôt. Voilà. Mais ça y est, vacances réservées une semaine. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ouais, t'es embêtante, toi, quand même. Hein. Elle me coupe tout le temps la parole, quand même. Hein. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, voilà, on prend une semaine. Mais c'est cool, une semaine, ça va être une semaine tranquille, franchement. Signalé sur votre trajet. L'enfer, je ne peux jamais parler. Donc une semaine tranquille, donc ça va être cool. Voilà.
ça m'apprendra de vouloir vous vloguer en voiture. Hein, voilà, il faut apprendre que on est interrompu. Mais bon, normalement, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus rien. Elle ne dira plus rien. Maintenant, on a passé le radar fixe. Donc, maintenant, on est tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, c'était le petit récap. Voilà. Puis la semaine dernière, je vous dis, voilà, pas mal chargé par rapport au boulot. Et puis du coup aussi, je suis rentrée tard parce que je suis allée en agence de voyage pour réserver une semaine de congé. Voilà, une semaine de vacances en famille, hein, tous les quatre. Donc voilà, c'est fait. Et puis bah voilà, bon, je vais vous laisser là. Et puis je vous reprends, je vous reprends à la maison pour vous montrer. Vous remontrer un peu la cuisine et puis on débute cette nouvelle semaine. Allez, let's go! Et donc voilà, je vous montre rapidement. Bon, j'ai juste un truc à laver, mais sinon je vous montre. Voilà. Hop, et puis c'est fait jusqu'en dessous. Hein. Bref, c'est fait partout. Voilà. Et c'est fini. C'est quand même plus chouette. Hein. Et donc, prochaine étape pour les prochaines vacances. Je vais repeindre repeindre les portes correctement. Je vais faire ça, ouais, je vais faire ça correctement. Vous voyez, en plus ça s'écaille, etc. Et je vais rajouter enfin des poignées parce que ça fait plus de 10 ans hein, qu'on n'a plus de poignées aux portes, aucune, hein, même les tiroirs. Hein, du coup, on les ouvre par en dessous comme ça. Bref, là c'est pareil. C'est pour ça que c'est usé ici parce qu'on ouvre comme ça. Bref, parce que, en fait, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur le type de poignée. Et là, j'ai enfin eu l'autorisation pour choisir celle que je voulais. Donc voilà, prochaine vacances, on ira au Roi Merlin, on rachètera de la peinture. Je vous avoue, est-ce que je vais laisser crème comme ça, je sais pas, ou blanche. Non, pas blanche. J'ai pas trop envie blanc. Là, c'était une jolie couleur, c'était un peu, ouais, coquille d'œuf, un peu comme ça. Donc je pense que je reprendrai un peu ce style-là, pas coquille d'œuf. Et puis, j'aurais bien aimé un peu gris clair. Mais je pense que monsieur, il va pas trop apprécier. Comme ça irait avec les nouveaux stickers, un peu style crédence, comme ça. Mais bon, on verra bien. Et puis, du coup, je vais choisir les poignées en même temps. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape. Bah oui, parce que nous, on aimerait bien changer même complètement la cuisine, hein, la complète. Parce qu'on a une cuisine semi-équipé, un peu dans les styles anciens, vous savez, en bois, etc. Donc on n'aimait pas trop la couleur brune, ça assombrissait, etc. Donc on avait repeint. Et puis l'autre côté, moi, je vous ai déjà montré, c'est des meubles de cuisine Ikea qu'on avait dans notre ancien appartement. Parce que du coup, il n'y avait pas de cuisine ni rien. Et du coup, on a réaménagé comme ça. Bon, c'est vraiment... elle est fonctionnelle, à la limite, vous savez, on n'a pas besoin... Enfin, je sais pas... J'ai pas une maison instagrammable, etc. Vous savez, tout nickel. C'est vraiment pas quelque chose qui me donne envie. Alors j'aurais les moyens, si, peut-être. Parce que je vous avoue qu'une cuisine, voilà, il y en a pour 10-15 000 euros, hein, clairement. Sachant que là, il faut vraiment tout péter, tout casser, tout refaire. Donc il y a du boulot, même si ce serait nous qui le faisons. Après, du coup, ouais, je pense qu'il y en a pour 10-15 000 euros, je pense. Voilà, maximum 15 000 euros. Donc, pour l'instant, on n'a pas le budget. Ou en tout cas, on n'a pas envie de le mettre là-dedans. Donc, ça sera pour plus tard. Et puis là, je vous dis, on va réaménager tranquillement. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous doivent être contentes enfin du résultat. Sinon, programme, j'ai aucun montage à faire. Ah non, j'ai eu peur. J'ai aucun montage à faire. Parce que samedi, j'ai été productif à mort. J'ai fait 5 montages vidéo. Je vous en ai publié 1, 2, 3, 4. Oui, 4. Et puis, tous les jours. Hein, vendredi, j'en ai publié. Samedi, j'en ai publié 2. Un dimanche, un lundi, hein, ce matin. Et du coup, j'ai ma vidéo pour mercredi qui est déjà publiée. Monté, chargé sur YouTube, j'ai plus qu'à programmer la diffusion et c'est fait. Ça, franchement, c'est trop bien, trop trop bien. Je suis trop contente. Donc là, à part si j'ai une box qui va arriver, sachant qu'il m'en reste plus que 2 parce que je l'ai reçu tellement la semaine dernière, j'en ai à un moment, j'en ai reçu 3. Ouais, parce que du coup, il y a Splendis, je crois, qui sort demain et je vais la commander. Voilà,
Vous savez, les éditions spéciales, la semaine 10 et tout ça, en plus, c'est une box que j'aime bien. Et faut que je regarde la Degustabox que je devrais recevoir peut-être cette semaine, je ne sais pas. J'ai vu qu'elle est en cours de livraison, mais j'ai pas encore le numéro de suivi. Donc peut-être cette semaine avec un peu de chance. Et puis après, il me restera plus que la Goodie Box. Donc voilà, franchement, au niveau des box, ça va tranquille. Voilà. Du coup, on finit, on est le 11 mars et j'ai quasiment reçu toutes mes box. C'est cool. Elle arrive le 13. Non. C'est la Splendis. Elle arrive le 13. Donc pas demain. Voilà, le 13 mercredi, je la recevrai peut-être samedi, qui a un peu de chance. Enfin voilà, du coup, il y aura bientôt une autre vidéo à faire. Mais sinon, tout est fait et ça, c'est cool. Voilà, bref, allez, je vais faire un peu de rangement, tout ça. Et puis, bon, et après, il n'y a pas grand-chose là. Parce que du coup, c'était le week-end et on avait déjà tout rangé. Donc, je vais me poser un peu et je vais discuter un peu avec Evan. Et puis, je vous dis à plus tard. Donc j'ai passé une commande sur le site de Rituel parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme en édition limitée et j'avais trop envie de la sentir et de la tester. En fait elle était sur le site, en fait si vous en aviez pour 35 euros d'achat vous aviez le coffret de la nouvelle gamme offert. Et je me suis dit 35 euros sur Rituals. Comment vous dire que ça va être facile, surtout pour moi. Donc j'ai pris, moi je suis repris mes gels douche mousse de la gamme Ritual of Jing préféré. Voilà, j'ai pris le coffret de 3. Une tuerie, j'adore. Je me suis repris un petit coffret des bâtons d'encens. Pareil, de cette gamme-là. Voilà, en petit format, parce que je l'avais en gros, mais je l'ai pris en petit format pour mettre dans la salle de bain, tout ça. Et donc, j'ai pris également, donc j'ai dépassé un peu, hein, mais j'avais envie d'acheter d'autres trucs. J'ai pris un spray pour les draps, les textiles, etc. Cette senteur-là, j'avoue que je ne savais pas trop, mais... Ah oui, oh là là, ça sent super, super bon. Donc ça va être très agréable sur les textiles. Donc ça, je suis fan de ce genre de petit spray. Voilà, à mettre sur vos draps ou votre canapé s'il est en tissu, des choses comme ça. Enfin voilà, donc du coup, ça va être top. Et donc la nouvelle gamme, c'est Ritual of Yozakura. Voilà. Oh, j'adore le packaging violet et rose comme ça. C'est magnifique. J'ai Evan juste derrière, regarde. Je sens pas. Donc ça, c'est la mousse de douche qui était offerte. Et en plus, on avait ce petit kit-là qui était offert. Et c'est un kit. Donc il y a, je crois, une mousse de douche encore dedans. Et une crème... une mousse de douche en petit format. Donc ça, c'est cool pour en porter un peu partout. Bon, je n'arriverai pas à sentir avec les mousses de douche. Et je suppose une crème pour le corps ou quelque chose comme ça, Rich Body Cream, ouais, une crème pour le corps. En petit format, mais franchement, pour sentir, bon, sachant que je l'ai j'ai commandé, mais je ne savais même pas quelle senteur c'était. Ça sent bon, c'est pas ma senteur préférée, mais... Ah si, elle sent super super bon. Oh là là. Ça sent bon, hein. Oui. Oh là là. Ça sent super bon. Voilà. Nouvelle gamme. Je vous avoue que du coup, la mousse de douche et tout ça, je suis contente de pouvoir l'utiliser. Puis ça, c'est bien pour pouvoir partir à droite et à gauche. En petit week-end. La mousse de douche là, top. Et celle-ci en grand, puis le packaging et tout. Franchement, allez-y, n'hésitez pas à aller en magasin pour sentir. Mais bon, vous savez, Rituals, voilà, j'en parle tout le temps, chaque fois je vous en parle. Ces pépites, donc vraiment dans tous les domaines. Hein. Ça, les bâtons d'encens, c'est top. Ça pour le linge et mes mousses de douche fave. Voilà, j'ai pas pu résister. Donc j'ai acheté ça.
Ah, et sinon, en récap des vacances, je vais vous le dire, mais vous avez tous remarqué, je suis allée aussi également chez le coiffeur, oui, effectivement. J'ai coupé 3-4 cm, voilà, pas grand-chose, parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose à couper, il n'était pas abîmé, il n'y avait pas de fourche ni rien. Même la coiffeuse a été assez surprise, elle me dit, vous êtes sûre que vous n'êtes pas coupé les cheveux, enfin, elle ne me croyait pas quand je disais que ça faisait... pile, enfin un an à quelques jours près que j'avais pas été chez le coiffeur, que j'étais pas retournée chez eux, et je lui dis non, je suis pas allée ailleurs entre temps, je suis pas été chez le coiffeur, je dis, et elle me dit, ouais, mais d'habitude les cheveux, enfin je dis ouais, je sais, ouais, moi aussi je suis assez étonnée, j'avoue que là, mes cheveux, j'avais je pense que l'année dernière j'y ai pris beaucoup soin, et bah du coup après, comme vous le savez, j'utilise pas de chaleur dessus, enfin, ou très très peu, quand je les fais sécher, pas quand je les lave, ils sèchent à l'air libre, je fais très peu de boucles ou les lisser, etc. Enfin bref, j'utilise très peu de chaleur, quasiment jamais, et je pense que ça doit aider aussi à la santé des cheveux. Et donc oui, et j'ai refait aussi pas une couleur, hein, mais des mèches, voilà, pour essayer d'harmoniser un petit peu l'ensemble, voilà, tout simplement. Et puis sinon, bah là, je vais voir si on m'a répondu. J'ai aussi deux futurs partenariats. Un qui ça y est, qui est validé. Elle m'a dit qu'elle me préparait la box, je crois. Donc, je vais. Elle me dit que c'était bon. Et donc, du coup, je pense qu'elle m'a dit qu'elle allait me préparer. Enfin, pas ma box, mon colis. J'ai de nouveau un partenariat avec. Faut que je vois ça aussi. J'ai un partenariat de nouveau avec My Muesli. Vous savez, j'ai collaboré avec eux pour la Saint-Valentin. J'avais reçu leur muesli spécial Saint-Valentin qui était pépite. Oh, trop bon, trop bon. Si j'avais su, j'en ai recommandé d'autres. Mais il y en a un qui est en rupture et c'était mon préféré. Avec Ivan, on les a dégommés. Dégommés ces muesli-là. Vraiment avec du yaourt ou du lait. Franchement, c'était trop bon. Ils veulent collaborer avec moi de nouveau pour Pâques, voilà, donc je vais recevoir leur coffret spécial Pâques, j'ai trop hâte. Donc je vais regarder, et apparemment je recevrai aussi également, alors, elle vient de me renvoyer un message, tac, alors, super, je te prépare ton collier et ton code promo, donc forcément vous aurez aussi également droit à un code promo. Voici une super offre, donc avec le code promo, c'est pour recevoir le coffret des 6 mini muesli de Pâques, des 15 euros d'achat. Voilà, pour recevoir les 6 petits. Donc je pense que je vais le recevoir, le petit coffret. Donc les mini sont très populaires, et possible que le stock soit épuisé à la fin du mois. Dans ce cas, tu trouveras en pièce jointe tout ce qu'il faut pour la marque. Donc ça va être le petit flyers avec la ligne directive, etc. Avec les contenus et ce que contient les muesli, etc. Donc apparemment, je vais recevoir deux grands muesli. Déjà. À l'intérieur, il y a des mini lapins au chocolat, des fraises, des boules d'épeautre au chocolat noir et sucre de coco. Oh, ça doit être trop... Ah, ça, Ivan, il va kiffer aussi, ça. Et les mini, c'est... dans le pack des mini, donc il y a deux petits muesli choco crunch, deux muesli framboise chocolat noir et deux muesli banane cassis. Oh, trop bon. Trop bon. Et donc, bah écoutez, date de la campagne du 16 février au 31 mars. Bah, c'est chaud, parce que si elle m'envoie seulement maintenant, je ne le reçois pas avant la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut que je fasse... la vidéo très très vite. Bon, c'est un peu à l'arrache, hein, quand même là, hein. Mais bon, je vais lui répondre, ok, et puis bah je vous ferai la vidéo avec le code promo, etc. à ce moment là je sais que vous êtes pas mal aussi à aimer My Muesli, franchement c'est trop bon chez eux, donc voilà, ça c'est cool. Et puis je reçois normalement, on était bon pour une autre box, une nouvelle box food, donc bah, je vous en reparlerai également au moment venu où ils me proposent leur box et que je la présente, et puis si ça fonctionne bien, pourquoi pas faire un partenariat sur le long terme, et je trouve ça cool aussi également, donc je suis assez contente parce que c'est des produits qui me correspondent. Vous savez, j'en reçois d'autres, hein, des trucs, hein, mais je réponds quasiment jamais.
Mais là, parce que c'est des trucs asiatiques ou des trucs, vous savez, je sais pas trop d'où ça vient. Donc je réponds généralement pas. Là, c'est une nouvelle société pour l'autre box. Bah, Madame Musli, on sait, bon, c'est une société allemande, mais on sait que c'est des bons produits, c'est des produits bio, etc. Et l'autre, c'est une jeune entreprise française. Donc comment vous dire que, bah oui, je vais les soutenir, quoi. Donc voilà. Donc j'attends de voir ce qu'ils me disent. Voilà pour les petites news. Donc là, il est, on est samedi, il est 19h40, j'attaque seulement le montage du vlog. J'ai complètement raté, j'ai complètement oublié, je vous ai lâchement abandonné. Bref, je pense quand même qu'avec tout ce que j'ai fait, etc., là j'ai commencé à mettre les roches, il y aura quand même pas mal de contenu. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ce vlog un petit peu pas comme d'habitude, hein, clairement pas comme d'habitude. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine. Semaine prochaine, j'ai plein de vidéos de prévues, etc., que je dois tourner. Je vous ai dit, je reçois ma collab avec My Musli, que je vais recevoir début de semaine prochaine. J'ai de la Splendid aussi dès lundi. Bref, j'ai pas mal de vidéos encore à faire la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à vous. Et je vous dis donc à très très vite. Ciao.